Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de matériel préparé pour vous par l'équipe de l'Open Hardware Algérie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'ESP01. Dès les débuts du développement de l'Arduino, il a été question de la connecter au réseau, que ce soit local ou bien au réseau Internet. Mais pour ce faire, il fallait soit acheter une carte qui propose cette fonctionnalité, telle que l'Arduino UNE, ou bien utiliser un shield qui offre cette possibilité, telle que le shield Ethernet ou bien le shield Wi-Fi. Ces deux solutions sont pratiques, mais plutôt onéreuses. Maintenant, il existe une troisième possibilité, car durant l'année 2014, un nouveau venu dans le monde des microcontrôleurs a complètement changé la donne. Il s'agit de l'ESP8266, qui peut être utilisé de deux manières. La première, associée à un microcontrôleur, donc l'Arduino par exemple. Dans cette configuration, l'ESP8266 s'occupe juste de la communication Wi-Fi. En l'utilisant de la sorte, nous sommes très proches de ce que nous pouvons faire avec un shield Wi-Fi. La seconde méthode consiste à utiliser l'ESP de manière totalement autonome, car il ne faut pas oublier que l'ESP8266 est aussi un microcontrôleur, donc automatiquement il est programmable. Il existe plus d'une dizaine de modules qui intègrent l'ESP8266 et ils utilisent tous le même MCU, mais ce qui les différencie est le nombre de pins accessibles à programmer. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au module ESP01. Le module est réalisé autour du microcontrôleur ESP8266 cadencé à 80 MHz avec une RAM de 64 kilooctets pour le code et 96 kilooctets pour les données. Il intègre une connectivité Wi-Fi qui utilise les canaux B, G et N avec une prise en charge des clés de sécurité WEP et WPA et WPA2. Le module dispose d'une antenne intégrée. Il consomme entre 60 mA et 200 mA en fonctionnement normal et quelques dizaines de microampères en mode veille. Pour la connectique, le module dispose de 8 pins. Nous avons VCC pour l'alimenter. Il faut faire attention, le module est alimenté en 3,3 volts et non pas en 5 volts comme c'est le cas sur l'Arduino. Un pin ground. Deux pins TX-RX pour la liaison série. Le pin RST ou bien Reset qui a pour mission de réinitialiser le MCU en le connectant à la masse. Le pin CHPD, Chip Power Down, qui doit être alimenté en 3,3 volts pour activer le Wi-Fi. Et enfin, deux JPAO qui jouent le rôle d'entrée-sortie numérique. Pour cette découverte du module, nous allons voir comment le connecter et communiquer avec lui via une liaison USB. Il nous faut pour cela un module de conversion serial USB qu'il faut connecter comme ceci. Et voilà le résultat. Il nous suffit maintenant de le connecter à notre PC. Maintenant que le module est connecté, il nous faut communiquer avec lui. Pour cela, nous allons utiliser le moniteur série de l'IDE Arduino. Nous allons commencer par choisir le port de communication avec le module, puis il nous faut utiliser le moniteur série. Là, il faut configurer la vitesse à 115 200 baud et le mode de communication comme ceci. Nous pouvons maintenant communiquer avec notre carte en utilisant les commandes AT. La première commande est AT, qui est une commande de test de liaison.
ce qui donne comme réponse de la part de la carte un OK. Nous pouvons demander à la carte de nous dire plus d'informations sur son firmware, cela avec la commande AT plus GMR, le tout en majuscule. Il nous est aussi possible de configurer le mode Wi-Fi qu'utilisera notre module, soit en station, donc en client Wi-Fi, ou bien en access point, donc point d'accès. Pour l'exemple, nous allons configurer le module en client avec la commande AT plus CW mode égale à 1. Nous pouvons aussi nous informer sur les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité avec la commande AT plus CW LAP. Nous allons nous contenter de ces quelques commandes pour le moment. Nous verrons dans nos prochaines vidéos l'utilisation de ce module avec l'Arduino et avec d'autres MCU, ainsi que la méthode de l'utiliser en mode autonome. D'ici là, donnez-nous vos avis sur cette vidéo directement dans les commentaires de notre chaîne ou bien via nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.